À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi la COP 22? Une COP, c'est une conférence qui réunit des dirigeants du monde entier. Leur mission? Trouver des solutions pour protéger la planète. En 2015, suite à la COP 21, 177 pays ont signé un accord où ils se sont engagés à préserver l'environnement, en diminuant leur consommation de pétrole, par exemple, et en développant les énergies solaires et éoliennes non polluantes. L'objectif? Limiter la montée des températures à 2 degrés Celsius d'ici 2100. Alors, pourquoi organiser une COP 22? Cette 22e COP se déroule au Maroc, en novembre. Elle est indispensable. Les problèmes de pollution qui perturbent notre climat sont loin d'être réglés. 2015 a été l'année la plus chaude du siècle. Et il y a de plus en plus de sécheresses, de tempêtes et d'inondations. Lors de la COP 22, on doit réfléchir à de nouvelles énergies propres. Comme à Marrakech, où l'on récupère un gaz dégagé par les eaux usées pour fabriquer de l'électricité. Pour le moment, 26 pays ont ratifié l'accord de la COP 21. Ils ont ainsi confirmé officiellement leur engagement. Dont la Chine et les États-Unis, les deux plus gros pollueurs de la planète. C'est bon signe, mais les autres pays doivent aussi tenir leurs promesses. En appliquant dès 2020 de vraies mesures anti-pollution comme la fermeture d'usines polluantes ou la création de transports écologiques. Si l'on veut sauvegarder la Terre, il est temps de passer à l'action. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.